parce qu'il faut savoir que aussi bien la loi de 1850 que la loi de 1910 que celle de 1930 hein, organise euh, la couverture euh, vieillesse enfin la retraite sur la base d'une épargne Ce sont des comptes épargne ce qu'on appelle la capitalisation et donc euh, comme tout régime en capitalisation les pensions Étant versé sur la base du rendement des placements, ben, il faut que le régime soit arrivé à maturité, comme on dit. Hein. Il faut qu'il y ait déjà une, une trentaine d'années d'existence du régime pour que le rendement des cotisations placées soit euh, suffisant pour assurer réellement des pensions. Et donc, c'est une des raisons aussi de l'impopularité du dispositif c'est qu'il y a une cotisation, mais il n'y a pas de prestation. Hein. Vichy donc prend acte de, du fait qu'au bout de 11 ans, mais ça on le savait d'avance bien sûr, hein, ces comptes épargne-retraite ne donnent toujours pas de prestations <coughs> et affectent en répartition, donc on exite la capitalisation et affecte en répartition la totalité de la cotisation à une allocation aux vieux travailleurs salariés. Au demeurant, la, la classe dirigeante sait très bien que la, la capitalisation ne peut pas fonder des régimes de pension qui soient, qui soient fiables. Et, et nous verrons qu'avec euh, la l'agir et l'ARCO, le patronat va singer la capitalisation, mais en répartition. <coughs> Et comme nous l'avons dit depuis le départ, hein, c'est à l'intérieur de la répartition qu'il y a lutte de classe, hein, entre des régimes qui assurent le remplacement d'un salaire et des régimes qui assurent le différé de cotisation. <coughs> la lutte de classe, elle les pas entre répartition et capitalisation.